Alors, ah, j'aime bien ça, j'aime bien cette couleur. Ça, je l'ai acheté de chez... Ça vient d'où même ça? Je ne sais pas un peu, mais c'est les boutiques en ligne. Donc voilà, je vais aller marcher un peu. J'aime bien marcher les matins. Je pouvais aller à la salle de sport, mais la salle de sport que j'ai dans mon immeuble, ça s'ouvre à 9h, je crois, ou 10h. Et moi, je ne serai pas là. Hein? À 9h30, je dois être au boulot. Donc, aujourd'hui, je n'irai pas à la salle de sport. Donc, je vais aller marcher parce qu'il me faut surtout, surtout bouger mon corps. C'est important. Il me faut bouger mon corps. C'est très important. C'est pourquoi je me réveille tôt. Surtout les mardis, parce que je sais que je dois aller au boulot. Et quand je reviens du boulot, je n'ai vraiment pas le temps. Je suis fatiguée, épuisée. Donc, le matin, je veux bouger mon corps. Et puis, je commence ma journée. Donc, c'est ce qu'on va faire. C'est mon petit look. Attends. Il fait froid, donc je vais porter ça. Et je pense que j'ai besoin de... Faut surtout ça. N'y a pas assez de soleil pour le moment parce qu'il est très très tôt le matin. Mais je vais porter ça. C'est mon petit look du jour. Voilà, c'est simple. J'ai tellement d'énergie les matins. Je ne sais pas pourquoi, mais bon. Ça va aller marcher. Talk to God often, even if your faith makes it possible. Do you know how many billions of people have died that this ain't it? So the things I'm going through now, if you up your ass, he will up his gear. If you change. Je pense que j'ai à peu près 20 à 25 minutes. Mais je fais mon maquillage en 5 minutes, je m'habille, je sors de la maison car j'ai une réunion à 10h. Et là, il est 9h. Je pense les 9h15. Voilà. Everybody, everybody, everybody.
presque prête. Attends, je vous montre. C'est ma chaussure du jour. Oh gosh. Je dois sortir. Car voilà, c'est mon petit look du jour. Très très comfy. Et j'ai mon manteau aussi. Je prends du taxi, donc c'est bon. Je n'ai pas à porter mon manteau maintenant. Ouh. Je suis un peu en retard. Ça va. Hello. Voilà, c'est mon taxi. I don't know what happened to me, but it was a lot of them there. Yeah, it is. So, you can see that. Petite pause, il est temps d'aller manger, il est midi, alors je sais même pas ce que je veux manger, peut-être que je... Donc voilà, j'ai pas assez de temps, donc c'est ce que je vais boire, c'est du smoothie, c'est très bon. Et je suis allée chez Rossmann. Attendez, je vous montre. Là, ça fait pas beau du tout, mais bon. Je vous montre un peu parce que je veux vous parler de ça. Alors, vous voyez ce produit de chez Garnier, c'est trop bon. Je l'utilise sur mon visage. Ça fait déjà, je pense, une année que je l'utilise. Très, très bon, ce produit. C'est vitamine C. Et aussi, mon déodorant, les gars. Ce que j'ai découvert, c'est que le déodorant des hommes, ça dure plus longtemps que le déodorant des femmes. Donc, c'est ce que j'utilise de chez Nivea. Et voilà. Et j'avais aussi besoin de ça. What is it? It's walnut. Walnut? It's walnut smashed. Ah. And then baked with some flour. How cute. And it looks like a moon. Thank you so much. Regardez ce qu'elle m'a apporté. C'est trop mignon. On va goûter. Très bon. Bonsoir, bonsoir. Là, je rentre chez moi. Je suis tellement fatiguée. Je n'aime pas trop aller au bureau. J'espère que vous m'entendez car il y a des voitures qui passent. Mais j'aime pas trop aller au bureau. Oh gosh, I'm tired. Je suis de retour à la maison. Mon téléphone s'est déchargé. Je pense que je vous disais que je n'aime pas trop aller au bureau. Attends, on va s'asseoir. Je vais m'asseoir un peu. Là. Je vais m'asseoir là. J'espère que vous pouvez me voir. Mais comme je vous disais,
J'aime pas trop aller au bureau, en fait, parce que je n'arrive vraiment pas à me concentrer quand je suis au bureau. Par exemple, quelque chose que je peux faire en 3 heures à la maison, je n'arrive même pas à le faire les 6 heures ou 7 heures quand je suis au bureau. Parce qu'il y a tellement de personnes, il y a des gens qui passent et moi, je n'arrive pas à me concentrer quand il y a toujours des gens qui passent. J'aime pas trop ça, quoi. J'aime travailler toute seule à la maison, je me concentre, je fais ce que j'ai à faire et voilà. Je sais que je suis en train de me plaindre alors que je vais au bureau une fois par semaine, mais je me plains toujours. Voilà, je vais arrêter de me plaindre, j'arrête. Là, je vais me reposer pendant 30 minutes et après, je dois sortir, je vais faire du shopping. Je suis à la recherche d'un pantalon kaki, donc je vais aller chez Zara, chez Mango, chez Massimo Dutti et j'espère vraiment que je vais retrouver mon petit pantalon kaki. Et donc, c'est ce que je porte pour aller faire mes courses et du coup, voilà mon petit sac du jour et il fait froid donc j'ai besoin de ça. Petit look du soir, comme je vous ai dit, je vais chez Zara, chez Mango. De toutes les façons, je vais vous montrer où je vais, ok? Donc voilà, tout en noir, comme d'habitude. Je ne sais pas si c'est parce que je viens juste de sortir de la maison, mais il ne fait pas aussi froid. C'est ça ou bien je suis habituée au froid. Il est quoi? C'est 6 degrés. Donc voilà, donc je ne sais pas trop. Pas aussi froid. Attends, je me donne quelques minutes. Peut-être que je vais commencer à sentir le froid ou peut-être que je suis très bien habillée contre le froid, donc du coup je sens rien, ce qui est formidable. Je peux marcher, je vais aller prendre le métro, pas de taxi ce soir, donc je prends le métro parce que c'est plus rapide. Voilà. Je crois que ça sera genre 4 à 5 stops et je serai au Fashion Street de Budapest. Donc on se retrouve là-bas. Ciao, ciao! I need someone to be patient with me. Someone to get money when I take it from me. But they don't even need to be as famous as me. I don't think I meet them at the places I be. But deep down I think about you. Mango, je me suis acheté une petite robe. Ah merde, il y a la musique. De toutes les façons, la vidéo ne sera pas très longue. Donc voilà, je rentre chez moi maintenant. Alors, petit update, je suis en train de cuisiner. C'est mon dîner du soir, au fait, mon seul plat du jour. Comme vous l'avez vu, j'ai vraiment pas mangé toute la journée. Donc voilà, ça sent tellement bon. Oh my gosh, je le laisse encore là pour 2 minutes et ça va. Que ça sent bon. Donc là, c'est vraiment un plat très simple. Je le fais souvent quand j'ai pas le temps. Donc je cuis. Attendez, je vais voir avec la pomme de terre si c'est bon. Tac, tac, tac. Et voilà. Parfait. Là, je suis tellement contente. Donc là, je vais juste manger ça. Je ne vais pas manger tout ça, bien sûr. Ça, ce sera mon dîner d'aujourd'hui, de demain. Attends, aujourd'hui, je mange deux. Demain. Et ça me restera encore un peu plus. Donc, ouais, voilà.
9.5 sur 10. Je me donne 9.5 sur 10. Et ça, c'est parce que j'ai mis un peu plus de sel. Un tout petit peu. Mais à part ça, ça aurait été 10 sur 10, hein, je vous dis. Ça aurait été 10 sur 10. Mais bon, ça va. Donc, moi, je vais manger. Mm-hmm. Voilà, donc c'est mon petit plat avec du jus de mandarine. Et voilà, donc... Ah, j'ai trop faim. Juste là. Mon petit jus. Et voilà. Et là, je pense que je veux... Non, j'aime pas trop... Par contre, j'aime pas trop la lumière comme ça. J'aime que ce soit... Voilà, comme ça. C'est mieux, non? Et donc, sur Netflix, et puis je mange et voilà, c'est ma petite soirée. Non, ça, c'est pas Netflix. Voilà, donc, c'est comme ça que je vais passer le reste de ma soirée. Allez, donc, je vous dis bonne soirée, bonne nuit.